vous, enfoiré! Attention, c'est à droite! Continue de tirer! Repoussez! Ce pont, je le sens pas. Super, un Audi. Allez, ça part. Montrez-moi un peu. Rosa, j'avais pas vu que t'avais posé une question, excuse-moi, j'avais pas entendu. Et je pense que je suis plus très loin de la fin, donc je voulais le finir. D'accord, ouais, c'est ce qui me semblait de toute façon. Au niveau timing de jeu et au niveau de l'histoire, j'avais bien compris que j'étais plus très loin de la fin.
un samouraï, comment est-ce que tu connais la grenade? Enfin, y a l'Oni qui arrive là. Coucou Yosha. Oula. Recoucou, oui. Recoucou. Il y en a encore beaucoup. Ouais, je suis poli, je dis plusieurs fois coucou. Il y avait un Oni tout à l'heure, donc il devrait y en avoir un quelque part. Maintenant on fouille. On refait le plein. Voilà, il va arriver là. Non. C'est moi qui décide de faire sauter la porte. Et bah ça va attendre. Ok, mon équipement est quasi plein. Ah, voilà. Ah ouais, avec ton piolet, t'as pas peur toi. Easy. Sans transpirer, c'est ça. Facile. Cette faïence, petite esquive et ça passe tout seul. Y'a pas de feu. J'aurais aimé améliorer ici, là. Oui, j'ai un point de compétence. Voilà. J'ai pas assez et les flèches perforantes j'ai pas assez donc faut attendre. Ok, au prochain feu. Ah, je sens déjà que je vais pas aimer cette zone là.
Ouch. Alors je vais faire comme Rosa disait, je vais jouer en sépia ou un truc dans le genre. Et ce truc se referme au bout d'un moment, c'est ça? Salut. Non, ça se referme pas, d'accord. Je dois trouver un moyen de monter. Alors, est-ce que du coup... Alors, est-ce que quelque part le mur est friable? Non. Bon, est-ce qu'elle passe là? Du coup, on va éviter de tomber aussi. Si je referme ça. Oui, j'ai compris. Ok. Faut refermer ça, descendre le truc. Alors, c'est pas ça, il doit me manquer quelque chose. Oui, ok, j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Non, peut-être pas. Je vais essayer autre chose. Ah merde, j'ai raté mon saut. Est-ce que faudrait pas faire balancier sur ça? Choisit celle qui lui succède. La prêtresse désignée entre dans le monastère. Elle s'empare de ton pouvoir et devient la nouvelle reine. Oh mon Dieu, mais alors? La plupart étaient prêtes à donner leur âme en échange de ce don. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps. Bah oui, le but c'est de la refiler à Sam pour qu'elle devienne la nouvelle reine. Ce n'est pas un transfert de pouvoir. Non, c'est bien un transfert d'âme. Toutes ces reines, elles étaient... toi, Emiko, première et dernière. Oh mon Dieu, maintenant tu veux Sam. Je ne te laisserai pas faire. Sam. Alors... un réceptacle pour l'âme de la reine. Je dois mettre fin à cette folie.
On peut faire sauter la porte, on va le faire. The Queen, c'est ça. Ah. Ok. Pourquoi tu cours moins vite d'un coup? Bah ça sent bien la fin là. Alors, soit les flèches perforantes, soit... explosif. Bon. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Allez. Oula. Je ne peux pas passer dans le feu. Le méchant, c'est ça, c'est exactement lui le méchant. Ah. Du coup... Ouais. Bah, c'est pas par là. C'est pas par là non plus. Oh putain, j'ai fait crever. Il y a déjà un truc que j'ai pas vu. Ah! Voilà, voilà. J'ai raté mon saut. Au-dessus. Là, punaise. Je l'avais pas vu ça.
Alors du coup. Bah, je le vois pas le mur. Ah, ça serait ça là-bas? C'est bizarre, ça me paraît un peu loin. Ah non. Oh oh, oh oh, oh oh. Ah, donc il y avait un truc à faire que j'ai pas vu. Ok. Donc c'est bien ça. Mais il y a un truc à faire. Là. Putain mais... C'est ça, c'est... Instinct de survie, 1, 0 plutôt. Voilà, puis instinct de survie, 2-0 aussi. Du coup... Il doit y avoir un truc qui est de part m'accrocher là, voilà. Hop là. Lara, attention, il y a un trou. Ah. Ah, pareil. Une championne olympique de GRS insensible à la douleur. Tireur d'élite aussi. Oui, j'avais pas vu le mur. Je regardais ce que tu disais et en fait, j'ai pas vu que. Il se passait un truc. Merci de me montrer où il faut que je m'accroche. Ouais, je le sens pas. Mais accroche-toi à cette corde. Mais... Je suis où? J'ai un glitch. Ah non. Elle a descendu deux marches, elle s'est cassée la cheville. C'était fini pour elle. Le trottoir de trop, c'est ça. Bon. Faut aller où là? Faut descendre? Ouais, peut-être. Hop, petite sauvegarde.
ça reste épique quand même, hein. On se moque, mais... Notre gymnastique insensible, à... notre gymnaste insensible à la douleur, c'est épique, quoi. Une flèche en pleine tête. Révèle-toi, que cet enveloppe mortelle accueille ton âme. Révèle-toi et renais à la vie. Vis Sam, mets-lui une flèche. Ah. Ah. Je sais qu'il y a du vent, mais t'as un fusil d'assaut, ça aurait peut-être été plus efficace. Toi, je t'avais pas vu, toi. Ah! Ah! Je me suis trop avancé. Ok. Ok. On va avancer moins vite. Voilà. Putain, il a fait un vol plané. Ah, t'es pas mort. Voilà. Ah. Ok.
Ah, ce vent. Ah. Je suis pas totalement convaincu de l'idée. Mais allez, Lara, accélère. Quand on parlait de DBD hier, on n'était pas loin. Alors du coup... Ok, c'est dans le dos, c'est ça. De frame, il n'y a pas de frame d'invulnérabilité quand tu le tapes. Ok, je pensais qu'il y avait une frame d'invulnérabilité pendant que tu faisais le coup critique. Ah bah ça, on reprend là. T'es vraiment nul au cac, Lara. Putain. T'es vraiment nul au cac. Ah, t'as joué ton pote. Ce qui m'arrange. Ah, j'ai raté ma QTE. J'appuie trop vite. Ah, mais merde. Ta tête, t'as plus de casque. Voilà.
Attention Mathias. Alors... Quoi, tu veux dire que je l'ai raté? Ah ouais, je l'ai raté. Ok. On recommence. Ouais, c'est... j'ai été surpris, vous mort. C'était quoi dans Death Door, tu es mort? Ok. La tête. Le message c'était vous mort, c'est ça? Ah oui, il est sympa ce message. Ouais, et là on retrouve la Lara Croft des premiers qu'elle double flingue. Du coup, comment on arrête ça? T'arrives un peu tard, Yosha. Lara, où sommes-nous? Je suis là. Tu ne crains plus rien. Ça va aller. Ouais. Tu iras bien. Tu m'as sauvée. C'est pas une température à moins 20 qui va la tuer, quoi. C'est Lara! Elle est avec Sam! Bah, va l'aider peut-être. Elle a réussi. Je crois qu'elle va s'en sortir. C'est ça! C'est ça! Comme les autres. Pourtant, c'est lui qui avait raison. J'aimerais tant pouvoir le lui dire. Je repense à tous ces mystères dans lesquels je ne voyais rien d'autre que des légendes. Mais la frontière qui sépare nos mythes de la réalité est obscure et fragile. Je dois trouver des réponses. C'est tellement ça. J'ai besoin de comprendre. Le millimètre de la porte. Quelque chose? D'une douche. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette île, mais vu ses blessures et votre regard, je vais vous laisser tranquille.
tout cas, vous rentrez chez vous. Je ne rentre pas chez moi.